Par ketchup. Par ketchup. Bon, par contre, au niveau fuel, là, je suis presque bingo fuel. Hein. Bonsoir, c'est Ragboy, et on se retrouve ce soir avec un enregistrement foiré à nouveau. Je suis vraiment, encore une fois, désolé. J'ai beau faire plein de réglages, ça ne change rien. Donc, en gros, tous les rushs de la soirée où j'étais pilote d'hélicoptère au Vietnam ne contiennent pas ma voix. Par chance, depuis peu, j'ai eu la fibre et j'ai augmenté le nombre de bitrate envoyés à distance. Et donc, l'enregistrement du live avec mon incrustation physique en bas à gauche est quand même beaucoup plus potable qu'il y a un an. Quand j'ai retrouvé la vidéo à Toulboro, c'était absolument affreux, voire dégueulasse. Là, vous aurez quand même une qualité qui sera bien meilleure. Donc, j'en suis désolé. J'ai essayé par tous les moyens, effectivement, de remonter la vidéo en mettant les incrustations sonores de ma voix au moment où j'avais un rush qui correspondait. C'était impossible à faire, j'ai 2 heures de rush, 5 heures de vidéo Twitch à trouver les bouts, c'est complètement infaisable pour moi, j'ai pas que ça à faire dans ma vie. Donc ce que je vous propose, c'est pas de vous livrer évidemment les 5 heures non-stop, quoi que ça aurait pu être intéressant évidemment. Je pense, vous n'aurez absolument rien loupé de la soirée. Voilà, ils vont être visibles quand même sur YouTube. Je vais les mettre quand même. Hein. Ce sera dans une vidéo qui sera pas publiée avec les abonnés, enfin où j'informerai pas tout le monde. Mais voilà, il y aura une double sortie. La sortie de cette vidéo là, qui sera un rush, un coupé, un condensé de tous les meilleurs moments. J'y rajouterai peut-être quelques musiques parce que je trouve que les musiques Vietnam étaient pas assez, il y avait pas assez de guitare électrique pour moi. Alors moi j'aime beaucoup ça, vous le savez. Et il y aura une version complète du live. En tout cas, je vous laisse avec cette petite vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura, vous allez voir un petit peu, ce sera un best-of de Twitch. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Si vous connaissez les best-of de Twitch sur YouTube, ce sera un peu ça. Qui en défie son autorité, vous savez, les chefs de... Mon père, il appelait ça les chefs de paille. Bonsoir. N'arrive pas à parler avec cette connerie. Bonsoir à vous. On lui arrive à parler à ça. On est pas mal là, hein. J'ai pas Pablo Escobar et de dictateur. Salut Gestaf. Oh, ça fait un bail. Mais ça fait un bail. Allez, petite bouffée pour Gestaf. Un vieux de la vieille. Un jour, peut-être que j'aurai Lister ou Tony. Voilà, le dernier petit achat, une chemise comme ça. J'avais même prévu un petit... Alors, je vais pas vous le montrer, parce que sinon, je peux me faire bannir. Un petit patch que je devais coller ici. C'est le patch d'un drapeau que je n'ai pas le droit de mettre sur Twitch. Un drapeau, qui a des États-Unis, évidemment, un des drapeaux américains. Il y a des étoiles, il y a des bandes bleues, il y a des bandes rouges. Évidemment, elles sont pas dans le même ordre que celui qu'on connaît habituellement. Mais voilà, depuis 2020, il est interdit de montrer ce drapeau. Donc je suis feinté, j'ai payé ça 5 balles. Ça promet. Il y a un noir derrière moi, j'espère. C'est sale. Incroyable. Pour avoir peur d'un Viet Cong, hein, pas d'un noir. Hein. Alors soldat, tu te grattes le cul ? J'ai chopé dans la jungle. Oh, merde. On m'a toujours dit d'avoir les chaussettes sèches dans la jungle. Là, c'est pas dans les chaussettes. Hein. Ah ouais ? Bonsoir, c'est Ragboy et on se retrouve ce soir une nouvelle fois sur Arma 3, mais avec le DLC SOG Prairie Fire que j'affectionne, hein, vous le savez depuis toutes les vidéos que j'ai sorties, la campagne solo, toutes ces choses-là. Mais là c'est Karma, la communauté Karma avec le 14e Gaming aussi et d'autres communautés qui se sont réunies ce soir pour faire la mission de Forkstop qui sera GM, enfin qui est GM, cette mission, un script vraiment très pointu. Il y a des déclencheurs de musique, il y a des déclencheurs de pop d'IA quand on arrive sur la zone et de dépop d'IA. Et le top du top, vous savez quoi? C'est que ces missions se retrouvent sur le workshop de Steam. Donc franchement, allez-y les yeux fermés. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Moi, j'ai mis un commentaire pour le faire. Enchanteur, suceur, tout ça. Bon, c'est ChatGPT qui a rédigé pour moi, je me suis pas embêté non plus. Hein, vous me connaissez maintenant, moi je suis un gros feignant.
Donc tout ça pour vous dire que ce soir je vais jouer bah, tout simplement pilote d'hélicoptère un Iroquois là-bas, un hélicoptère hué comme ce qui est connu, on dit toujours l'hué, c'est celui-là. Donc il y aura celui-ci, il y a celui-ci de commandement, vous voyez, avec des grosses Gatling de chaque côté en perpendiculaire et aussi de front. Il y aura aussi un Cobra, mais je crois pas que j'y jouerai. Ce sera d'autres personnes. Il y aura du transport de véhicules légers, il y aura du transport de marchandises, enfin de caisses de rang, voilà. Et on doit aller, attendez, je vais dézoomer, on doit aller à différents endroits sur la carte. On fait donc la bataille de Khe San, l'offensive des Viet Cong sur des bases américaines. On va avoir le briefing d'ici peu. Voilà, je vous invite surtout à liker la vidéo, à la partager évidemment, à mettre toujours un commentaire s'il vous plaît. C'est vraiment très important pour la remontée de la chaîne, pour qu'elle tienne jusqu'à Arma 4, hein, je sais que c'est long. Voilà, et puis cette intro est vraiment trop longue. Donc on va se retrouver dans les véhicules, il y aura de la musique, la vidéo sera démonétisée évidemment, mais ce sera du plaisir pour les oreilles. Donc on se retrouve très très bientôt, et évidemment je n'oublie pas, il y aura du Arma Reforger, je vais reprendre le GM dans peu de temps. Ce soir c'est Arma 3, Vietnam plutôt. Profitez-en, mettez un bon casque, la musique va être très très bonne, va y avoir de l'ambiance, va y avoir des Viet Cong qui tirent dans tous les sens, des bonhommes, des marines, ça a déposé partout, une pluie de merde, putain c'est chiant quoi. Il est où le nuage là? Voilà, on se retrouve pour le briefing. Bon voilà, on s'est un petit peu organisé entre nous, je suis désolé, je suis en voice activation, donc pour le chat sur Twitch, je parle pas beaucoup parce que bah tout simplement tout le monde entendrait ce que je vous raconterai à vous. Voilà, je vais être équipé donc de cet hélicoptère. Je vais avoir mon équipe qui va me rejoindre. Ouais, allez-y. Hein. Remux, t'es à droite. Hein. Non, Remux, il est à gauche. Commencez pas à dire de la merde. Cerber unité, Cerber 2. Ah, ça fait bien d'être en arrière là. Votre carte individuelle sur LZ Alpha. Vous déposerez vos. Attention, groupe Viper. Cerber 3, Cerber 4, vous déposez vos escouades sur LZ. Ah mais je peux pas, y'a plus de place. 4 reçus. C'est de mon fait, y'a plus de place. Cerber Unité, c'est bien pris. LZ Alpha pour Cerber Unité. Ah, on a Ragboy. Cerber 2, c'est bon. Parlez un petit mot fort, s'il vous plaît. Un petit mot fort, les gars, pour le pilote. LZ Alpha, même consigne que sur le persistant. Reçu pour Cerber 2. LZ Alpha. LZ Alpha pour vous. Cerber 3 bien pris pour LZ Bravo. Vous êtes assis par terre. Okay, c'est confiant. Vous avez besoin de tirer sur les civils? Négatif. Ah. Comment tu reconnais un civil? Bah, je n'en fais pas, c'est pour ça. Vous êtes tous à l'intérieur, c'est bon, messieurs? On est tous là. Ok, parfait, je donne l'information. Tu vois ma gueule. Cerber Unité, prêt au départ, à vos ordres. Il faut tirer dessus. Communication, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, silence. Bon, je vais mettre en route, j'ai pas eu l'information pour l'instant. Oh, nous on est pas pressés, tu sais. Ah ouais, mais bon, les autres. On arrive deuxième, c'est bien. Ce qui m'embête, c'est l'endroit où je vais vous poser, ça me paraît un peu. Pas facile. Ah, ouais. Arborer. Cerber Unité, autorisation de mettre le moteur en route? Ouais, pour tout Cerber, autorisation de mettre troisième personne. Je crois qu'il y a Hunter qui vient de débarquer. Pour l'ensemble de Cerber 1 et 2, en poussé, ça dépend. Hein. En formation, il y a pour Cerber 3 et 4. J'en sais rien, de côté. Ce sera quand Drake sera déployé. Réitérez pour Cerber Unité, s'il vous plaît. Cerber Unité, Cerber 2, vous volez ensemble. Ok, Cerber Unité, prêt au décollage. Et pour tous les Cerber, autorisation de décoller. Ah, il n'est pas ici. Allez, c'est parti, messieurs, on y va. Bien pris. Bien pris de Cerber Unité. Cerber 4, vente sur piste. On vole en groupe, les gars? Ok, si tu veux. Bah moi je prends première.
Dorek Boy, je peux premier à droite. Je prends le dernier. Ah, on a perdu quelqu'un. Cerber Unité, quitte la base, parti pour mission. Ok messieurs, objectif, on va devoir du coup retrouver le convoi. On va être déployé sur l'unité landing zone sur place. À l'arrivée sur la landing zone, on se déploie et on reste en groupe, on n'avance pas, on attend instruction. Copie pour tout le monde. Ah, bien vrai. On est le premier à déposer là. C'est-à-dire pour les rouges, on va pas tirer sur du coup, hein, il est avec nous. Tant qu'il commence pas à prendre son accent, ça me va moi. Ça bouge dans le péage de tir ou pas? Non, négatif, pas pour le moment. Il y avait beaucoup de monde dans les casemates. C'est un Bernunité, je fais mon virage à droite pour approche de zone 2, landing zone. Nico? Ah, écoute. Tu sers à quoi en tant que TP? Ça pas grand chose, hein, c'est la jungle. Il a tous ses TPT, donc c'est TD. Je crois que ça one shot, c'est juste pour ça, pendant le dernier il est fort le snake. Ouais, c'est, en fait c'est plutôt 20 balles et bah t'as un viseur en fait. Putain, je pensais que c'était comme l'opérateur radio qui voulait lancer des frappes. Nico il a fait l'opération boule de fumée. 21 images par seconde, ça va être dur. On a perdu notre frappe. On a perdu l'éclaireur. Ah, on a perdu l'éclaireur. Ok messieurs, arrivé d'ici 30... Allez, peut-être une minute, je me pose. Vas-y, bien pris. Ça sent le piège, hein. Le seul vietnamien de l'espoir qui part au moment où on part à l'assaut. On va faire plusieurs recherches. Ok, messieurs, on remercie le pilote en sortant, évidemment. Merci, pilote. En sortant. Merci, à la bonne. Bah, moi, je dis, on a marre son avance. Oh. Allez, messieurs, grillez-moi ces viettes. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui est blessé ou quoi? Non, mais c'est une déco, tu peux y aller. D'accord, ok. Cerber Unité, j'ai déposé mes hommes, je retourne à la base. Reçu. Cerber Unité au décollage, attention. Bon, première dépose, ça devrait aller. C'est juste que j'ai 21 images par seconde, quoi. Là, c'est... Putain. C'est chaud, quoi. 25 images par seconde. Cerber 5 à l'écoute. Cerber Unité, rentre dans la zone. Attention au Cobra. C'est suivi. Donc, pour les pilotes Matt et Astate, vous prenez immédiatement le Little Bird, vous venez sur place et vous faites de la pipe. Matt et Astat, vous revenez en Little Bird pour appuyer sur le tir. Oula, j'ai vu un tir, je crois. Vous venez sur zone. Non, pas une deuxième fois. Il n'est pas sur la route. Alors, si, ça tire là en dessous. Cadrer, on a plus de JTAC pour le moment. Ah, il n'y a plus de JTAC. Ah, c'est chaud là. Ok, je vois une position. Ah putain, il y a des grillages et tout. À l'écoute, serveur. Au revoir, sont engagés. Attends, je dégage. Tu vas aller sur la landing zone 1, Alpha. Ça vient derrière. Bravo, pardon. Non, ça vient en bas à droite. En bas à droite. Bravo. Reçu pour LZ, bravo. Cerber Unité, j'ai fait une approche sur LZ, bravo. Pour l'instant, il y a des packs au sol ennemis. C'est dangereux. Ouais, c'est suivi hein, pour LZ, bravo. Donc, pour les deux qui viennent de partir en Little Bird, votre mission sécurisée LZ, bravo. Ils sont où nos copains là? Tu peux me dire sur la carte? Je les vois pas là. Non, je m'occupe juste de Pax qui. T'es du côté droit? T'es du côté droit? Moi, okay. Je suis du côté droit. Ok, je suis bien placé là. Réponds-moi, je suis bien placé là? Attends. Non? Faut que je descende? Faut que je me mette comment? Bah pour que tu tires, pour que tu le descendes. Ah. Bon, bah, ah. Tu réponds pas. Bah, oui, je suis en mouvement. Urgentement la fréquence pour les Cerbères, je quitte fréquence, je repasse sur commandement terrestre. Une
Reçu. Il s'est couché, le mec. Ok. Ouais, j'étais que ça en reprise. Bon, je vais te poser sur la zone à côté des copains. Hein. Ça roule. Dans les rizières, en bas. Ah, j'ai du FPS, c'est bon. Ouais, c'est en berlinité. Courage, courage. Allez, tu peux le faire. Oui, je suis en vie. Merci, à plus. À plus. Cerber unité au décollage, attention Cobra. Alors, on contourne toute cette zone là où sera la prochaine étape. Oh putain de merde. À tous les cerbères, j'ai passé au-dessus de la future zone, enfin très loin, au sud de la future zone de recherche des copains, c'est très très chaud, faites gaffe. Cerber unité, j'arrive sur LZ Bravo, je vais bientôt me poser d'ici quelques secondes. J'attends que le groupe embarque dans l'hélico. Pour Cerber unité et Cerber 4, vous aurez une mission donc de transport pour LZ2. LZ2. Cerber unité vers LZ2, c'est pris. Cerber 4 vers LZ2, c'est pris. Si Littleburn sur ce soir pour Cerber Nord. Je vois rien. Ici, Nettlebird sur 60 pour Sarah, parler. Ouais, pour vous, survol des deux UI en train d'embarquer sur LZ. Putain, je suis posé dans les herbes. Cerber unité, je suis posé sur LZ Bravo. Reçu. LZ2. L'auto, on est réarmé, on va décoller. LZ2 au sud. Putain, c'est chaud. Ah, moi. Cerber unité, tu peux embarquer toi, moi. C'est bien pris, ils sont en train d'embarquer. LZ2, tout à l'heure, j'y suis passé, c'était très très chaud. Ah, enfin. Littleburn pour ça. Alors, qui sera notre pilote là ? On volerait avec les deux. Toujours Max. C'est Rag Boy, silence s'il vous plaît. Oh. Un fort ou mettez-vous en voix faible. Embarqué verrouillé. Cerber unité, Cerber 4, je vais décoller pour votre décoller. Sur un ball. Cerber unité au décollage pour LZ2. C'est parti, messieurs. Ici retour en vol direction LZ2. Ok, on va suivre l'autre. Ah, ça s'est bien passé en bas, messieurs ? Ça va. Ah ouais, j'ai perdu mes clopes. Ça va, ça pourrait être pire, tu pourrais perdre tes balls. Alors, à ton retour, tu passes aussi en appui sur LZ2. LZ2. Ah non, moi j'ai l'appui à tout. Retour en position sur LZ2, recherchez appui. Alors, c'est la Mégane guerre au nord et nous on se balade au sud. On va aussi se balader. Tu vas aller en enfer tout de suite, toi ? Oui. Ne vous inquiétez pas, on va se battre sud, ne vous inquiétez pas. Ici vautour, on se fait allumer sur LZ2. Ouais. On va commencer le ménage. Bon, ça fait bon, bien pris.
Oh là là. Oh, oh, oh. Bon, on peut se battre. Ok, on voit le cobra là en face. Magnifique. Ah, mais pilote-les moi. Tu parles d'un certain prêt, c'est ça? Little Bird, est-ce que t'es sur LZ2? Ah, il a bu un verre de trop, donc il est un peu bourré, il faut l'excuser. C'est pour ça qu'il bouge plus. Ouais, il a perdu son manche. Ouais. Il a cassé le manche. Il s'est trompé de manche, sinon. Donc, on bouge encore un peu la position. Sud de LZ2. 12 images par seconde, les mecs. Ils sont toujours pas crachés. Ok, une fois qu'on atterrit, vous prenez vos azimuts 360 degrés. Hein. Allez, messieurs, bon courage. Merci. Server 4, j'ai déposé le groupe cyanure sud de LZ2, je redécolle, direction base. Ouais, c'est reçu, Server 4. Little Bird, pour ça. Bah, vous pouvez couvrir les deux groupes qui sont en train de passer le point 1. Unité. Reçu, on se dirige dessus. Server unité posée au sol, au sud de LZ2, je redécolle, retour base. Ah, c'est reçu. Bon, ça. Allez, c'est reparti. J'avais 12 FPS quoi. 12 FPS pour me poser. Je sais pas comment j'ai fait. Oh, j'ai de la D5 là. L'hélicoptère là-bas, il a un petit peu D5. Cerber unité, je suis en approche de la piste d'atterrissage, dites-moi. Ouais, pour vous avez reçu la mission de transport. Négatif. Il y a déjà des packs sur la base, vous les embarquez, si c'est Viper ou Mercure, vous les déposez sur X-Ray 4, je prends les packs qu'il y a sur la base et je les envoie à X-Ray 4. C'est bien pris pour Cerber unité. Bon, on va se poser à côté d'eux. Hein. Oh, cet atterrissage. Little Bird pour ça, hein, parler. J'écoute ça. Allez les mecs, on monte là. Ici Little Bird, retour boss pour ravitaillement. C'est quoi que je dois déposer sur X-Ray combien? X-Ray 2. De Nord, X-Ray 2. X-Ray 2, ok, c'est pris. Ok messieurs, c'est bon, vous êtes tous dedans? Allô? X-Ray 2 ou X-Ray 4 du coup? Vous m'entendez ou pas? Ouais, mais attends, parce que X-Ray 2 ça va pas. Donc ils m'entendent pas. Bon, tant pis. On sort. Vous m'entendez là-dedans? Ah, quand même. Cerber unité, j'ai pris mes hommes, je vais sur X-Ray 2, c'est bien ça, vous confirmez? C'est quelle équipe tu as embarqué? Quelle équipe j'ai embarqué? Allô, vous êtes de quelle équipe, messieurs? Cerber unité, c'est des sulfures. Sulfure. Cerber unité, j'ai des sulfures dans le carlingue. Ok, sulfure, je confirme. Ok, c'est pris, Cerber unité au décollage. Cerber 2, X-Ray 2, vous allez. C'est un peu de musique quand même, non? Sarah 1 de Cerber 4, groupe Viper, ils m'ont désigné MZ5. Oh, tu confirmes, Viper? Sarin de Server 4, confirmé, Viper. Wolfman de Honor, bonsoir. Tu reçu, tu déposeras à l'ouest de X-Ray 5. Ouest là, il y a mon copain qui est là. Elle construit une axe. Putain, il est construit. Mais c'est quoi ça? J'ai reçu Server 4. Putain de merde! À l'ouest de X-Ray 5. Ouest de X-Ray 5. C'est pas une case d'or, c'est... Sarin de Server 4, c'est reçu. C'est passé quoi en dessous là? C'est une case d'or, c'est pas. Ouais, bah hélicoptère Cobra qui a croisé ma route en même temps, alors tu vois. Bah, rectification, c'est un obus qui a pété. Il y avait un obus qui était pété là, il a pas pété, donc d'accord. T'inquiète pas. Ouais, mais il y a quand même le cobra qui est passé, c'est ce que je viens de dire.
Jupiter. Je vois pas la balle, t'inquiète. Allez, vous êtes posés, messieurs, allez-y. Cerber Unité, j'ai posé mes hommes, je retourne à la base. Purée. On fait peur avec cette explosion, là, plus le cobra qui passe. Pff, j'ai un petit cœur, moi. Ouais. Mission directement au Ragboy, oui. De faire le transport. Suivi, Isabelle. On est là parce qu'on doit ravitailler, nous, donc j'en profite. Ragboy, est-ce que tu peux m'amener comment je t'appelle, moi ouais. Adrio et Tony. Ouais. Sur les objectifs, ils te disent où sont leurs groupes et tu les déposes, un des deux, ok. Ok, ça marche. Allez, allez, c'est parti. La France, enfin pardon, les États-Unis comptent sur toi. Ouais, c'est so United States, yeah, yeah. Alors messieurs, vous êtes de quel groupe et dites-moi où est-ce que vous devez être déposé. Alors Vipère, alors on va commencer par Vipère. C'est au nord de la position. Attends, on va monter. Cerber Unité au décollage pour dépose sur Mercure et Vipère. Le serveur commandement, je suis derrière toi, Cerber Unité, pour escorte. Ok, c'est bien pris, Cerber commandement. Vous êtes derrière moi pour une escorte. Oh, j'ai des départs de tir par la droite là. Par la droite? Non, pas vraiment là. Je suis au-dessus de la zone où vous devez être déposé. Ça dépend comme tu peux, on se déposera pour un heure. Vous êtes pour retour base, vous passez en Cerber. C'est reçu. Cherche une zone pour l'instant. Il y a plein de trucs là. Franchement. Là, peut-être près du village là. Oh la vache, putain. Mec, j'espère que ça va le faire. Hein. J'ai que 12 images par seconde. Mmh. Droite, ouais, ouais, faut que j'aille à droite, ouais. Ah, y'a un rocher, putain. Là, tu peux y aller si tu te défends. Ouais, tu crois? Peut-être un peu plus. Tu descends sur le légèrement à droite. Putain, mais c'est pas possible. Ah, là, c'est bien. Ouais, là, c'est pas mal. Ah, putain, c'est en pente. Gaffe, tu recules dans les arbres. Merci bien. Merci ah, merde, 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 merde. Eh hey, merde. Cerber 1, Cerber 1, moteur touché, moteur touché. Je suis à l'arrêt sur le point... je vous donne ça tout de suite. Sur le point Vipère, sur le point Vipère, je suis à l'arrêt. Ouais, reçu. On va te récupérer avec l'armée. J'ai dû dire un gros mot en plus. Bonjour! Oh là 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 là! Ouais, 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 bah ouais, bah il est là le taxi. Il est mieux que moi. Ah voilà. Ah le nul. Chut, tellement de. Allez, vas-y, je décolle. Cerber 4, décollage. Je suis avec vous. En direction de zone Covid. On extrait toutes les équipes, tu confirmes, Fortop? Cerber Unité, je suis en approche de Sulfur. Bien reçu, Cerber. Ça descend à 26 images par seconde, c'est déjà mieux que les 12. Allez! J'ai remis un coup de gaz et est reparti comme en 40, quoi. Mais c'est pas vrai! Mais je t'ai pas demandé de faire ça! Putain, ça m'énerve! Ah!
Incroyable. Désolé messieurs, j'avais pas d'hélicoptère pour vous. On m'avait rien donné. Tant que tu es là, c'est l'essentiel. Ouais. Quoique les deux derniers, ils veulent rester, je crois que je peux commencer à décoller. Non, non, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent. Serveur 3, j'ai pas dit pour vous. C'est bon pour serveur 1 ? Serveur unité, tout le monde est dedans ? Allez, embarqué verrouillé. Cerber unité, j'ai tout sulfure, je décolle, retour base RTB. Si retour, on escorte jusqu'à la base. Ok, on va être déposé sur Cerber 1, vous allez ravitailler. Et vous revenez tout de suite dans l'hélico. Oui, monsieur. Putain, c'est tout ce que là, vous donnez des ordres encore. Non, si tu veux changer, tu peux prendre un ammo bearer ou... Non, mais je dirais que ça me dérange pas, juste il me retirer, quoi. Par contre, attention à celui qui mange des choses à micro-consul. J'aimerais juste pouvoir utiliser les grenades qui sont à ma disposition, quoi. Il va les utiliser, t'inquiète pas. Pour rappel de la manœuvre, ça va arriver, on va débarquer, réarmer. Le niveau club, c'est comment ? C'est bien pris pour Cerber Unité, je me mets en queue de peloton, en tête de peloton. Ah bah privé taillé. Tête de peloton les gars, faites gaffe. Ça va chier. On est en approche de base messieurs. Je mets là, moteur en route, prêt à vous reprendre, messieurs. Bien reçu, merci Ragbon. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Je suis vraiment posé sur le point en plus. Le serveur unité réitéré, s'il vous plaît. Silence. Et faire c'est comme top départ en formation pour malgré. Cerber unité, j'emboîte le pas. La seule et l'unique, ou on meurt pas ? On meurt jamais, on est immortel. À part quelqu'un. Les gars, par pitié, quand il fait, c'est comme. C'est vrai ça. De toute façon, je vous ai mis sur haut-parleur, comme ça vous entendrez. Quand vous entendez des coms, taisez-vous. Comme ça, il peut se concentrer et écouter les coms, s'il vous plaît. Merci. Ah non, on est au sud, hein, Red Boys. Non, on est au milieu, on est B3, dis pas de la merde, Kaké. Vous êtes B3 on est pas au nord. Ouais, on est B3, nous, on est pas au nord, nous. Vous confirmez, on m'a dit au nord. Tu as. On t'a dit que vous. On m'a dit au nord. Serveur 1 de serveur 4, Viper, confirmé. Nous, on doit prendre B3. Ok, bon, B3, je vois où est-ce qu'il est, donc c'est au sud, ok, ça marche. Ne nous crache pas. Non, mais c'est. J'ai trop reculé, c'était une zone qui me plaisait pas et j'ai quand même forcé. Serveur 3, nord. Serveur 1, nord. Unité. Cerber 2, 4, nord, Cerber 1, 4, nord. 3, au sud. 1, 3, sud, ok. 1, pair, sud, pair, nord. Reçu de Cerber 4. Cerber unité, c'est bien pris. Allez, on arrive sur zone, messieurs. Attention. Ça va chier. Cerber 4, nord, bien pris. Comme d'habitude, les gars, azimut à l'atterrissage, décoiffement de musique, on s'en va, on suit le pas. Hein. Hors de colonne, comme d'habitude, parce qu'il y en a à l'avant. Non, pas de colonne. Il va atterrir, on va sur B3, on protège B3. Ok, bien fait. Ouais, écoutez. Bah, si, j'essaie de faire comme un je vous dépose au plus près. Hein. Ouais, ça marche. Ça au mieux. Bon, ça va. C'est deux qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des IA. Une fois arrivé par terre, on c'est bon, messieurs, B3. Allez. Merci, Ragboy. Je vous en prie. Et bon, tout le monde est descendu de mon autobus. Cerber unité, j'ai fait ma dépose, je repars sur la base, c'est ça ? Allez, on retourne à la base. Et on va charger une caisse de munitions.
Cerber 8T, je vous confirme, le transport de la caisse et pareil, l'engage. Oui, je m'en doutais. Et je la ramène ici, c'est clair? Affirmatif, confirmé. Il y a déjà des caisses, là. Tu sais quoi? Je vais pas m'embêter, je vais en prendre une directe. Accroché. Non, pourquoi abandonner? Oh, elle a dû accrocher quelque chose au sol. J'ai pas dit gros mot, je crois pas. Ok, on va reprendre une caisse. Serveur 3, on approche de la base. Serveur 1, je suis en train de récupérer une caisse. Serveur 2 de Serveur 4, la situation de ton hélico. Serveur 2 de Serveur 4. Ici Serveur 4, c'est bon, pour l'instant il tient, suffit, il tiendra suffisamment pour rentrer sur le. Sur Serveur 2. S'accrocher. Cerber unité, j'ai ma caisse, je repars sur la zone d'opération. Et c'est clair, Cerber unité, tu peux approcher par sud. C'est bien pris, Cerber unité, j'approche par le sud, je longe la piste jusqu'au point Charlie pour dépose de caisse. Mais sérieusement? On s'est croisé. Ça part 4. Pour ça. Non, pourquoi tu fais de la marche avant, arrière? Ah! Cerber unité, j'ai fait ma dépose de caisse, je quitte la zone. Ouais, reçu. Vraiment du caca. Retour. Faut faire attention parce que cette piste, en fait, elle est montante. Ouais, pour l'instant, vous retenez votre feu, vous êtes en survol de la base Macro. C'est bien, si on reste en survol de la base Macro. Alors, on se met en tête. Et on se pose. Cerber, vous restez moteur. Cerber unité, j'ai atterri. Moteur tournant, j'attends mon équipe. De même pour Cerber 2. Ah, il y a mon équipe qui arrive. Bonjour messieurs. Ah, LZ Oscar au lieu de dormir. LZ Oscar? Oui. Ah, mais... Aïe, 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 aïe. Zone à bord. Décapeur, simple heureux. Pas de s'embarquer. C'est bon, on y va. Switch
Ok, de Cerber unité au décollage. Cerber unité au décollage pour dépose sur LZ Oscar, c'est parti. Et Cyanure, on est prêt ? Attendez, juste une dernière chose. Y a personne à la ligne droite parce que quelqu'un veut se faire plaisir. Pourquoi faire ? on va se poser en ligne ennemie, ça peut-être bien qu'il y en ait un. Ouais, enfin, des promesses. Ouais, ouais, j'avoue, se que... poser, c'est pas sûr. Mais bon. On va en ligne. Serveur 2, arrête. Bien, je pense qu'on rebaptise le spécial 35 de fin. Reçu, ça part de faire des belles. Je vais proposer à mon compagnie. On verra avec les boys en rentrant. Y'a quelqu'un sur la vitrine là derrière? Oui. Ah, c'est bon, je vois rien avec le mur. Vous oublierez pas de vous remettre en voie franche quand on arrivera. On va faire c'est fait. Et vous ferez attention au tir. Il y a du méchant en bas. Ah, en plus, notre pilote il a de bons boules. Ouais, j'aime bien les gros boulons. T'as du ACDC ? Ok, je pense que je vais vous poser sur la route. On est déjà arrivé ? Ouais. Ah, c'est pas long, hein. Le village a l'air clair pour l'instant. Pax, oui, mais de lui, on ne sait pas. Oui, on ne traverse pas le village, hein. Personne ne m'a appelé dans le village. Il suffit un Virgule Viper, donc vous n'êtes pas tout seul. Dès que vous avez du contact visuel, vous n'hésitez pas à rendre compte et on organise une réponse aérienne en appui de votre... Gauche clear, pilote. ...infanterie, on ne vous envoie pas à la mort. Ouais, Sergio. Vous avez vu, on pense pas de nous. C'est à l'épaisse. C'est le moment où tout explose. Arrêtez! Putain, les mecs! Ayez confiance un peu! Merci, pilote! Allez-y, merci! Cerber unité, j'ai déposé mon équipe sur LZ Oscar, je redécolle, quelle direction? Ouais, retour base pour vous. C'est bien pris pour Cerber unité, je décolle, retour base. Cerber 3, Cerber 4 pour ça. Il y a beaucoup de blessés là. Oui, il y a beaucoup de blessés. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de gens au stade, c'est pour ça que ça fuse ça. Bah, c'est bizarre, ils ont l'air de bouger. Pas tous. Bon, je vous dépose sur la colline. Fort bien. Ils sont bientôt sur place. On est bientôt sur place. Compte sur vous pour. Oula. Cerber unité, j'arrive sur zone pour déposer mon équipe. Pas de visuel. Peut-être plutôt se poser à gauche ou c'est plus sûr. Vu c'est. Non, départ de tir à gauche. Départ de tir à gauche. En 240. Il est devant nous. Là, je vous dépose là. Tourne un tout petit peu à droite si tu veux. À droite ? Non, c'est un trou, c'est un trou. Non mais très bien, très bien. Il faut deux hélicoptères de transport prêts à se poser sur LZ Inter 3 et sur LZ Inter 3. Deux hélicoptères de transport sur LZ Inter 3. Cerber unité, je suis tout près d'LZ Inter 3. Je suis même déjà posé en fait à l'ouest de LZ Inter 3. Cerber 2, je dépose mes troupes et j'arrive. Oula, oula. C'est quel Cerber là qui va se atterrir sur moi? Purée, ça canarde. Astat. Dragboy, Astat, tu peux Dragboy ? Bonjour, parfait. Ouais, tu te poses à côté de moi donc, c'est ça ? Ouais, c'est Dragboy, ouais. En train de me poser à côté d'un mec qui est sur LZ Interface. Ouais, fais gaffe, hein, ça bouge beaucoup là.
Ouais, t'as cassé ton rotor. Oh merde! De quoi? Il y a l'autre hélico qui s'est cassé. Cerber 1, Cerber 1, on a perdu l'autre Cerber qui se posait sur la LZ Inter. T'as bien fait de venir là, je suis venu pour prendre une balle. Ouais. Par solidarité, je l'ai pris aussi moi. Cerber unité, je confirme le décès complet de l'hélicoptère Cerber qui était posé. Allez, reçu le base. Exo, t'es mort ? Ouais, reçu. Donc, notre médic. Cerber 3-4, vous pouvez passer en lui pour vos retours base. Littleberg, prendre l'altitude, on va se rentrer dedans là. Cerber unité, j'ai peut-être encore de la place. Non, c'est bon, je crois. Ah non, non, vous aurez pas assez de place pour les. Cerber, okay, on est complet. Passant Cerber 3. Cerber unité, embarque cyanure, retour base tout de suite. Okay. C'est parti. La négative, par retour base, concerné, sur LZ Romeo. LZ Romeo. LZ Romeo. Good. Affirmatif, LZ Romeo. Ok. Vous avez vu l'autre hélico se crasher là? Oui, ouais. Il s'est posé sur les cailloux de façon très instable. Il est parti sur le côté. Attention, Cerber unité au décollage, attention à tous. Heureusement qu'on a le meilleur pilote de la campagne avec nous. Tu lui dois une faveur, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Surtout qu'en plus, vous avez quoi? Vous avez 600 mètres, peut-être 1 km à pied à faire là, mais bon, je vais vous emmener quand même. Ah, super. Je sais même pas où on va, tu vois. LZ Romeo. Romeo. L'attaque au robot. 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 À droite, ça tire. À droite, il y a du monde. C'est un camp. On va pouvoir vous poser, les mecs. On va pouvoir sauter. Oh, ils ont des postes de l'eau. Ils sont en transport sur... Mais non, c'est moi, c'est pas grave. Ouais, ouais. Drag Boy de Cerber 1, LZ Romeo est trop près d'un camp ennemi. Je suis obligé de poser mes alliés quelque part. Loading. Je vais essayer de trouver et je vous dis, reviens vers vous. Ah, si possible, plus au nord-ouest de LZ Romeo. Au nord-ouest. T'as une clairière sur tes avances devant toi. Ouais, c'est trop près devant. Là, tu rigoles. Allez, batteuse de gauche. Batteuse de gauche. Ah, je vais vous poser là. Ouais, c'est ce que je vais faire dans la zone. Cerber unité, je vais me poser au nord de LZ Romeo. Ouais, reçu pour nord LZ Romeo. Préparez-vous les gars, quand on va descendre, ça va être proche. C'est du monde dans le sud. C'est clair sur la droite. Attention, contact dans quelques secondes. Merci, allez bien. Allez, bonne chance les mecs, c'est bon ? Allez, c'est reparti. Cerber unité, j'ai posé mes gars au nord de la LZ Romeo. Je suis prêt à rentrer ou à faire ce que vous voulez. Ils avaient, franchement, ils étaient là-haut. Ils avaient quoi? Ils avaient 300, allez, peut-être un kilomètre à faire à pied. Hein. Kérosu, c'est un barcade, tu peux poser tes 3 ennemis effectifs Viper sur LZ Oscar. LZ Oscar. C'est un de. C'est un barcade. Reçu, en route. On va se poser là. Large. Allez. Une fois le groupe embarqué, c'est un peu tu déposes sur LZ Oscar. LZ Oscar. LZ Oscar. Ah, LZ Oscar.
Ok, c'est pris pour Cerbernité. Je dépose sur LZ Oscar. Allez, messieurs, vous montez. Ils veulent pas monter. Vous montez, messieurs. Ouais. Ah. Putain. Là, c'est Mercure. C'est Mercure. Allez, allez. C'est ouais, tout? Il y a personne? Bah, il y a la moitié du monde. Ah là là. Ok, c'est pris. Bon, LZ Oscar. Il est minuit, il travaille demain. Ah merde. Alors, et demain, dimanche. Attention, LZ Oscar, Cerbernité au décollage. Je vais pas le dire, putain. Je vais juste annoncer à. Cerbernité, je te reçois. Attendez, silence. Où est-ce que tu te situes? Dans quelle zone? Ok, Cerbernité sur LZ November et sur LZ November. Ok, j'arrive après, Retour. C'est chaud là. Je le pensais, mais en vrai, on est extrêmement loin de LZ. Il y a déjà des mecs à presque mortier, on s'était encore baisé. Ah, il y a la vie, hein. Ouais, on n'a pas de chance pour cette mission. J'espère qu'on est bien là. Ouais, on est pas trop mal. T'es pas mal à droite, c'est bon. Ok, le parquet. Oh, j'ai tapé. Merci. Ok. Cerber Unité, je me suis posé à côté de la LZ November. C'est Astat qui est sur Roméo. Cerber Unité, j'ai fait ma dépose au nord-est de LZ November. Je redécolle pour aller chercher Cerber Astat. Oh là là, les chutes de FPS, mon dieu. Je vais me plaindre tout le temps. Oh là, ça canarde là, à gauche. Oh oui. Ouais, annuler l'émission, on va s'embarquer au moment, on récupère un stat. Ah, dommage, j'étais sur zone. Ça va de serveur récupérer effectivement le viper. C'est pas pour vous, dépose sur assez dans un peu. Ah oui. C'est bon, Cerber Unité, je me charge de Astat. Négatif, c'est ordre commandement, on récupère Astat. Ok, désolé Astat, c'est le commandement qui va te récupérer, c'est pas moi. Ok, c'est ouais, pris, je bouge de la zone. Retour à le commandement. Ouh. Retour à le commandement. Pour tous les serveurs, vous pouvez récupérer les unités sur la position mortier et avant-poste. Débris pour Cerber Unité, je me mets là-bas. Pour tout, je peux vous charger un groupe retour base, retour base. Moi, je pense à Cerber 2. Si j'arrive à capter tout le monde, donc transmettez-vous le message. Moi je suis le serveur 2, on transmet. Serveur 3 reçu. Serveur 4, c'est rue.
Ouf, sur la bûche. On m'appelle la bûche. Ouais, parce que... Ah oui, merde, des portes gauche. Ah merde, mais c'est votre poids aussi quand vous êtes monté. Merde. Oh, putain, je l'ai pas vu, quoi. Elle était pas là quand je suis arrivé. Ah putain. Oh merde. Ah le naze. Deux hélicos en une soirée, quoi. Ah là 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 là. Cerber unité, Cerber unité. Pour Cerber commandement, j'ai endommagé mon appareil. Je suis immobilisé sur la zone des mortiers. Ça marche. Je voudrais savoir si je pourrais avoir des réparations ou si je rentre avec vous. Je sais pas si c'est un hélicoptère Renault ou pas, mais non, je pense pas, connaissant les Américains. Faut que ça soit American. Du coup, avec moi, je vais rester en attendant que tu aies une réponse du commandement, savoir si on le prend avec moi. Ok, c'est pris, Cerber unité, en attente d'informations, si je peux avoir des réparations ou si je repars avec un des autres Cerber vers la base. Ah mais attends, j'étais là. Ok, d'accord. Il y avait quand même toute cette zone pour se poser. Il a fallu que je me plante là-bas. Hein. Mais bon, je suis à l'intérieur. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ouais, non mais là t'as vu la zone qu'il y avait en fait, là où tu t'es garé, là il y avait 350 mètres de large, et non, il a fallu que je me foute dans un arbre. Ah oui, non mais moi c'était sur la LZ Inter 3, je suis arrivé, j'avais pas vu le caillou derrière, le retour arrière, ah ouais. Le caillou. Ah c'était toi le feu d'artifice. Oui. En fait, non, t'étais sur un creux, il y avait le caillou certes derrière, mais il y avait un trou. Ton appareil, il a penché tout de suite sur la gauche, en fait. Ouais, non, mais ça a été un bordel, puis j'ai voulu rattraper, puis j'ai pas tiré la chose. Ouais, non, c'était pas facile. Voilà, je sais pas ce qui se passe, mais le mec ouais. Est sur l'autoroute, quoi. Il y a quelqu'un qui a du retour, attention. Ouais. Pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder deux pilotes qui vont nous amener. Il y aura pas d'appui-feu pour cette fois. Parce que l'objectif pourrait le permettre, mais c'est un peu compliqué. Donc, comme ça, l'infanterie qui reste va être sûre d'avoir du contact. Je peux pas faire plus, hein, sincèrement. Si j'enlève autour et le commandement, c'est sûr que l'infanterie qui reste sur place aura du contact. Donc, on va prendre deux pilotes. On a Ragboy d'un côté, on a Max de l'autre. Ils vont prendre deux hélicoptères UE. Est-ce qu'à deux, ça va passer? Je pense qu'on est quand même un poil trop nombreux. Max et Ragboy, vous ouais. Avez quoi comme capacité? C'est un peu 10 joueurs, c'est ça? Je crois que c'est 13, 12-13. Ouais. 13. 13 et 13, ça fait 26. Ouais, il va falloir un troisième pilote. Donc un troisième, s'il vous plaît, qui se sent chaud. Allez, vas-y. Qui a pas lui, il va la prochaine. Parce que pour le moment, j'ai vu quelques pilotes qui ont énormément de difficultés à poser. Donc j'insiste, je parle clairement parce que si jamais c'est voilà. Pas compris. C'est la végétation. J'ai besoin d'un pilote qui sache se poser. Pardon. Bon bah je vais devenir fantassin je crois alors. Non, en vrai, justement, hormis ceux que j'ai désignés. Dame-nous à ta N60 toi. Hunter, pour le moment, c'est compliqué Hunter. Oh, ouais mais... J'arrive à me poser. Bon bah écoute, on va te faire confiance une dernière fois parce qu'il n'y a pas de volontaire pour je prendre.
C'est quoi C'est quelle colline? C'est 861 ou 881? 881. D'accord. Nord? Mais nord? Celle que j'entoure. Ouais, c'est la nord. Ok. Ok, ça marche, pas de souci. Bah écoute, je monte dans un hélico et puis au départ. De toute façon, il va nous dire la LZ et tout, là. Ouais, je pense. Ok, on tire tout droit et après on tourne. Salut, salut. On parle là tout de suite, là? Ah bah ouais, on n'est pas là pour niaiser, hein. Ah, je sais pas, j'avais pas vu les clubs. De quoi? J'ai pas compris. Là, il essaie de il communique les informations. C'est une petite dégage. De... Serveur unité, je suis plein et je suis prêt au départ. Allez, taisez-vous, messieurs, on laisse Ragboy faire ses coms. On embarque le dernier groupe et on pourra décoller. Ok, c'est pris, j'attends votre feu vert. C'est départ, départ, départ pour tous les serveurs. À tous serveurs en décollage. Serveur 1 à décoller. Ah, c'est beau ça, un décollage coordonné. Ça fait vraiment mal aux oreilles. Tout beau, t'es. Ah, c'est beau. Ah, ouais, t'hésites pas à me dire si je vais trop vite. Bah, ouais, ouais, parce que je suis vraiment derrière ta queue. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais, il faut que tu le décales un peu sur un des côtés. Ah, la plus proche. Si tu le tapes pas les décolles. Et bien après, je me décale à droite. L'hiver, on est les plus nombreux, hein. on est 14. Donc, on est rien. Exactement. Donc, tout ce qui est en face de nous, on les massacre. Hein. Exactement, on est 14. Si on arrive sur zone. Bon bah, faut le faire à la bouche, du coup, les gars. Oh, je vais refaire un tour. Avec moi, je refais un tour. Prends le temps. Non. J'arrive au bon moment, nickel. Ouais, il faut pas dire qu'il y a un temps, qu'il y a un noyau avec nous, je vois. La tour droite est à ce plateforme. S'il vous plaît, messieurs, silence, on laisse Ragboy faire ses coms tranquillou et faire son atterrissage en douceur. Ouais. Casser les lisses. Voilà, laissons-le se concentrer. Cerber 02, pas débarqué. Ta gueule. Faire massage. Massage des pieds. Cerber unité en approche pour se poser. Cerber 3 posé. Allez. Ah putain, on entend pas sa voix, ça se voit aussi. Ici on l'entend. On l'entend. Elle a l'air de peuple. Non, avance. Ah, ouais. On est tir là-bas. Oh putain, ah, oui. Je vois le char là-bas, ouais. Il nous a se mat. Ok. Allez, attention, allez, contact. Voilà. Merci, vous allez, en prie. Merci, bonne chance. Ouais, merci, vous aussi, bonne chance. Serveur unité déposée, je retourne sur base. Bien sûr. Je décroche sur la droite. Wouah. T'as pas dû me lever aussi haut là. Ici serveur 3, je retourne sur base également. Ah, t'as une icône VTR qui rentre sur sa trajectoire, faut que tu gaffes à toi. Ah ouais? Merde! Indiqué sur carte. Ouais, je viens de le voir. T'as pas un zoo qui peut sortir un lanceur depuis de côté? Mais... Je pourrais, mais est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr. Ouais, c'est pour le blast. Ah, c'est écrit mine? Ok. Ah ouais, non mais j'arrive pas par le bon endroit là. Ouais, pas grave, droit devant. Non, je vais tirer sur la gauche. Essayez d'atterrir sur Kilo. LZ Kilo. Ok les gars, préparez-vous, vous êtes droit sur un sur Kilo ou sur Thunder.
attends. Kilo, ça va pas être possible, ça va être November. Allez, viens, continue, forme, continue, on va faire vivre le pas, on va faire vivre dans la zone de la. Ouais, 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 je viens de voir ça. Putain, j'arrive pas à le stabiliser là. Saoule. Un mec qui passe en dessous. Ok les gars, posez-vous, posez-vous. Putain. Tu prends l'artère latérale gauche. Latérale gauche, ok. Ça marche. Allez, on fait tour de la halle. De bord, ok. Oh putain, c'est passé près. Ok. Non, faire un cercle. Non, me dis pas que... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, la latérale gauche est HS. Bah, et tu peux pas passer sur la droite là? Si, droite, droite, ok. Ok, on va faire un truc sale. Ils sont foutus en l'air là. Ok. On est pas mal là ou pas? Ouais, pour l'instant j'ai. Il y a un mec qui tire là sur ma droite là. Droite? Ouais, ouais, sur ma droite là. Là j'avance en crabe sur lui. Ouais? Ah, ouais. Oh putain, ouais, y'a un char en dessous. Y'a un char en dessous. Ah bon? Ouais, mais il est pas pété. Camion, plusieurs camions, plusieurs pistes, putain, plusieurs chars. Ils ont plusieurs chars sur le nord. Là, y'a un départ de tir là sur mon avant-droit, mais une heure. Ouais, même plusieurs là sur la route. Limité. Ils a eu ou pas? Réitérer. Et votre RTB. Ok, c'est bien pris pour Cervernité, RTB. On décroche? Ouais. Allez, on décroche. Sa mère. Ah ouais? Ah ouais. Bon, et bah c'est sur ces dernières passes qu'on va se laisser. Voilà, il y aura le débriefing après pour tous ceux qui restent en live, évidemment. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, c'est un nouveau style de mission, hein, même si j'en avais fait par le passé. Voilà, beaucoup de pilotage ce soir et très peu de tirs. Toute autre chose.